Alors moi j'ai trois passions dans la vie. Ouais. Le shopping, Ouais. le shopping et le shopping. C'est un gros bouffon, c'est un espèce de pigeon. Ah tu sais quoi, lui je vais lui faire cracher de l'étude, mais je vais le pigeonner à mort celui-là. Salut l'équipe, c'est Mikalash. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va tout simplement piéger une michetonneuse sur un site de rencontre. Donc, je vous explique pour la petite histoire. J'ai un collègue qui a rencontré une fille sur un site de rencontre. Il est allé la voir, il l'a ramenée chez lui. Ils ont fait en quelque sorte, comme on pourrait dire, leur bail. Donc, jusque-là, rien d'anormal, rien d'inquiétant, vous me direz. Sauf que, quelques jours plus tard, il s'est tout simplement rendu compte qu'il lui manquait des affaires. Apparemment, il lui manquait quelques ensembles de survêtements Lacoste, ainsi qu'une certaine somme d'argent. Donc, il a réfléchi un petit peu, il a cherché, et il s'est aperçu que ça ne pouvait être que cette fameuse fille qu'il avait invitée chez lui, qu'il avait volée. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de reprendre contact avec cette fille, sauf que comme par hasard, quand il est revenu vers elle, elle l'a bloqué de partout et elle lui a plus jamais donné de nouvelles. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement créé un compte sur ce fameux site de rencontre et à l'aide de mon collègue, on a retrouvé le profil de cette fille. Donc j'ai commencé à lui parler, je lui ai fait miroiter des trucs, etc. Et j'ai réussi à lui fixer un rendez-vous pour la rencontrer. Donc je pense que vous avez compris, ce qui va se passer dans cette vidéo, c'est qu'on va tout simplement piéger cette fille. Ça va être sûrement très drôle, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un maximum de likes si la vidéo vous plaît. Comme vous le savez, c'est totalement gratuit et c'est le meilleur moyen de me soutenir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les futures vidéos. Et merci à tous ceux qui partageons cette vidéo afin de éventuellement pouvoir stopper toute cette michetonnerie. Enfin bref, moi c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous laisse directement avec le contenu de la vidéo. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais vous mettre directement la partie où je la rencontre, au rendez-vous où je l'ai fixé. Et après, je vous laisserai voir la suite. C'est parti. Salut, excuse-moi de te déranger. C'est pas toi ? Sabrina, par hasard ? Si, ouais, c'est moi. Ouais. Si, c'était toi sur Badou ? Ouais, c'est moi. Ouais. Ah bah. C'est toi, ouais. Si, ouais, c'est moi. Chanté. Ouais, mais c'est bon. Non, mais c'est vrai. Ouais, moi aussi je suis contente. Très enchantée de faire ta ouais. Ta connaissance. Ouais. Ça va? Ouais, ça va. C'est bizarre un peu. Hein. Non, pourquoi? Un petit peu, mais bon, c'est la première fois que je rencontre une. Ouais. Moi, c'est la première fois que je rencontre une fille, tu vois. Ah bon? Et ouais, c'est. Ah, c'est la première fois? Ouais. Du coup, je suis un peu. Ouais. T'es sûr? Parce que tu vois, moi j'habite chez. Ouais? Je peux? Ok. Merci, parce que tu vois, moi j'habite chez mes parents depuis toujours en fait. Et enfin. Maintenant j'ai ma maison, tu vois. Mais. C'est ce que tu m'avais dit, ouais. Oui, mais. C'est eux qui me la payent. Ah, d'accord, ok. Et du coup, moi. Comme j'ai jamais travaillé, je suis jamais sorti de chez moi. C'est toi. C'est vraiment la première fois que je rencontre une. Ok, c'est toi. Ouais? Ok. Ça va? Ouais, ça va. Du coup, bah. T'as ta maison alors, c'est ça? Ouais, voilà, ouais, c'est. C'est mon. C'est papa qui me l'a acheté. Non, c'est. Enfin, pour l'instant, je travaille pas, tu vois, mais. Bon, on va dire que voilà, c'est mon père qui me passe les sous et du coup. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas mes mamans qui payent la maison? Ouais, pourquoi? Ah, ils font quoi tes parents dans la vie? Ah bah ils sont dans... J'ai pas trop compris, tu vois, mais c'est genre... Bah ils doivent bien gagner leur vie, s'ils te payent la maison et tout... Ouais, ils travaillent dans une entreprise et tout et... Dans une entreprise? Ouais. Tu sais pas du tout? Non. Bah ils ont de l'argent, quoi. Ouais, voilà. Bah, du coup... C'est toi, du coup, qui as la maison avec la piscine ou c'est celle de tes parents? Non, c'est à moi, c'est chez moi. Ah, d'accord. On va y aller après, de toute façon. Ouais, bon, on va y aller après. Ah, ok, bah c'est cool, ouais, on va passer un bon moment, alors. Bah ouais. Toi, tu fais quoi dans la vie? Pour prendre du temps pour moi, pour m'amuser un peu, faire du shopping. Ah ouais? Ouais, voilà, là je prends un petit peu de temps pour moi, je profite. Ah, c'est cool ça. Tu fais des stripteaseuses? Ouais. Ah ouais? Sympa aussi, sympa. Et du coup, tu penses que tu pourras me faire une petite démonstration ou... Bah ouais, carrément, dans ta piscine, ouais, si tu veux. Mais du coup, sinon, toi, c'est quoi tes passions, entre guillemets, dans la vie? Alors moi, j'ai trois passions dans la vie. Ouais. Le shopping, ouais. Le shopping et le shopping. Le shopping et le shopping, genre? Ouais. Et genre, des fois, tu t'aimes bien faire aussi du shopping, genre? J'adore le shopping. Ah ouais? Ouais. On pourra faire du shopping ensemble, alors, mon chou, si tu veux. Ouais. C'est... Tu m'emmèneras faire du shopping? Tu voudras qu'on aille faire du shopping? Ouais. Bah, ouais, si tu veux. Et toi, c'est quoi? T'as des passions? Non, pas vraiment. Même c'est que j'ai beaucoup d'argent, mais... C'est pas quoi en faire? Voilà, je sais pas trop quoi en faire, je suis un peu timide, tu vois. Tu veux, je pourrais t'aider, moi. Ouais. Ouais. Tu veux que je te montre une photo de ma piscine? Ouais, vas-y, ouais. Tiens, regarde en gros, voilà, ça, tu vois, ça. C'est ça. C'est une piscine, ça? Ouais. C'est pas une piscine, ça?
Bah si, enfin en gros c'est un... Mais non, mais tu te fous de ma gueule. Et non, pourquoi? Mais c'est un bac avec de l'eau, s'il te plaît, c'est pas une piscine. Ouais, mais genre, enfin, c'est une piscine, genre on peut mettre les pieds dedans, tu vois. Ouais, non, mais dans ce cas-là, tu fais un bain de pied, quoi. Là, c'est pas une piscine, ça, c'est un truc de clochard. Après moi, tu vois, j'arrive pas à mettre mes deux pieds dedans en même temps, parce que j'ai des plutôt grands pieds, mais avec toi, je pense que ça pourra, tu pourras. Waouh! Tu te fous de ma gueule ou quoi? Non. Tu te fous de moi, là. Non, pourquoi? Mais c'est mort, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Vas-y, je me casse, moi. De Pourquoi? quoi les pieds? Tu parles de quoi? Moi, je te parle d'une vraie piscine. Une piscine où tu te Bah baignes, après c'est pas très grand chez moi donc du coup Non, mais vas-y, mec, moi, je me casse, là. Je me casse. Pourquoi? Mais non. Allez, toi. Non, 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 vas-y, viens, viens, c'est bon, je rigole, je rigole. Je rigole, je rigole. Ah, mais tu m'as trop fait peur. Non. Genre, tu serais parti si j'avais pas de piscine. Non, mais non, je serais pas partie, mais c'était bizarre et tout, c'était un peu bizarre et... J'ai pas compris, tu me dis un truc, tu montres des photos bizarres et tout et... Ouais, c'est... Non, non, t'inquiète. Non, mais t'inquiète, t'inquiète, genre, moi, je suis normal, j'ai mal à la maison, j'ai... Bon, je me déplace en scooter, tu vois, pour se déplacer plus vite, les embouteillages. Bouteillage et tout, d'accord, tu vois. Mais là, si tu veux, on va aller chez toi, là, c'est ça? Ouais, pourquoi tu voulais faire quoi toi? Bah, je sais pas, on aurait pu aller un petit peu chez toi, faire un peu les magasins, aller au restaurant. Ouais? Ouais, comme ça, on passe un bon moment, tous les deux. Et genre toi tu m'as dit que t'étais stripteaseuse, c'est ça? Ouais. Et il y aura moyen que tu me fasses une petite... Ouais, d'abord, bah, si tu veux, on va d'abord dans les magasins, on va... Moi ce que je te propose, alors je dois juste passer chez un collègue avant. C'est juste à côté en fait. Et pourquoi tu veux aller chez un collègue? Je dois juste récupérer un petit truc en fait. Je dois voir un truc chez lui. Parce que je l'avais promis et tout, tu vois, je lui ai donné ma parole. Donc on passe vite fait. Chez mon collègue, c'est juste à côté. C'est... Non, c'est à 5 000. D'ici. T'en as pas pour longtemps de toute façon. Non, mais tu viens avec moi. Ouais, d'accord, ok, ça va. Après, on fait les magasins comme on a dit, on se fait un petit resto et après on va chez toi. Ouais. Ouais, vas-y, c'est bon. Du coup, je suis garé vers là-bas, tu viens avec moi. Ouais, ça marche. Bah, vas-y. Ok, vas-y, va. Viens, viens. Voilà l'équipe, là je viens d'installer la caméra, je l'ai bien cachée. La meuf, je l'ai laissée juste devant la porte. Je lui dis que j'avais un truc à régler vite fait. Donc maintenant que tout est en place, il fallait l'ouvrir, je vais lui dire de venir. On va essayer de la rendre un petit peu dingue. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Ouais, désolé, vas-y, tu viens, tu peux rentrer, c'est bon. Non, viens, viens, c'est bon, j'avais juste un truc à voir, 2 minutes, mais tu peux. Mais non, viens, viens, t'inquiète, t'inquiète, rentre, rentre. Vas-y, tu peux rentrer. C'est chez ton collègue? Ouais, c'est pas chez moi, t'inquiète. Non, non, c'est bon, viens, t'inquiète, t'inquiète, viens, tu peux te poser sur le lit si tu veux, j'en ai pour 2 minutes. Ouais, on va y aller, on va y aller. C'est juste j'avais un truc comme je t'ai dit à récupérer, à avoir vite fait chez mon collègue, tu vois. Allez chez toi, là, j'ai pas envie de rester ici, moi. Ça te dérange pas juste si avant je vais prendre une petite douche. Mais franchement t'es bizarre, pourquoi tu veux prendre une douche? Non, mais genre parce que je voulais aller vite fait, je devais passer aussi un petit coup de fil en même temps. Ah, vas-y, 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 prends une douche, vas-y, vas-y. Tu peux m'attendre là, hein, tu peux te poser. Non, mais vas-y. Ok, vas-y, j'en ai pour 2 minutes. Ouais, ça va ou pas? Ouais, non, je t'appelle vite fait. Oh, tu sais quoi, tu te rappelles le gars là que t'avais dit sur le site de rencontre? C'est quoi, il m'a mis là un truc de clochard. Ah, je te jure, il y a un matelas par terre. Non, je te jure, il y a un matelas par terre. C'est des bizarres. Là, il me dit ouais et tout, je vais prendre ma douche, machin, tu m'attends, je sais pas quoi. Non, mais là, je vais lui dire, après, on va aller faire les restos ou un truc quoi, tu vois, je vais faire cracher un peu. C'est un gros, gros clochard, s'il te plaît, je sais pas où il m'amène. Non, t'inquiète, mais là le souci, tu vois, c'est que j'ai mon mec, là, il fait que m'appeler, je vais en double appel et tout. Là, il fait que m'appeler, je lui ai dit que j'allais chez une pote. Bon, ouais, non, mais je regarde, il n'y a rien du tout, il n'y a que dalle, c'est un clochard. Non, vas-y, bah, là, il est sous la douche. Ouais, il est sous la douche, après, je sais pas, il va m'amener, je sais pas où. On verra, je vais essayer de gratter à mort, tu vois. Bon, ouais, vas-y, bah, je te rappelle, je te tiens au courant. Vas-y, tiens. Qu'est-ce que tu fais, sérieux? Ça va? Mais t'es chelou, mec. Elle était trop chelou, je te jure, t'es chelou, sérieux, t'es... Qu'est-ce que tu fais pour déconner là? Mais j'ai rien fait. Mais vas-y, on y va là, on s'en va, je reste pas ici moi. Pourquoi? Ben je sais pas, on va se balader, on va faire le magasin, je sais pas, mais on reste pas. T'es chelou, qu'est-ce que tu fais? Mais tu la trouves pas belle ma tenue, j'ai vu ma plus belle tenue pour toi. Allez, on y va maintenant, c'est bon, de toute façon c'est moi qui décide là. Donc je dirige, tu te lèves, tu te changes et on y va. Ah, c'est toi qui décides? Oui, c'est moi qui décide, allez. Ah ouais? Bon, c'est bon, je vais me changer, d'accord? Il n'y a pas de problème, mais vas-y, tu ne changes pas. Bon, vas-y, j'arrive. Je vais pour 2 minutes. Ouais, c'est moi, meuf. Ouais, tu sais pas quoi? Le mec, il est sorti de la douche. Il était déguisé, genre en tenue de prisonnière. Parce que chelou et tout.
Là, je te chauffe, ça m'arrête, ça me bouffon, ce mec. Il dit, tu m'amènes au resto direct, on va faire le magasin. Ouais, il m'a dit quoi, là, il est parti se changer, il m'amène et tout. C'est un gros bouffon, c'est un espèce de pigeon. Ah, tu sais quoi, je me dis, je vais lui faire cracher de l'étude, mais je vais le pigeonner à mort, celui-là. Ouais, t'inquiète. Ouais, je te dirai. Vas-y, à plus. Ah, excuse-moi, ça va, j'ai pas été trop long. Ouais, non, non, mais là, c'est... On y va, là, c'est bon? Non, on va y aller, t'inquiète, tu veux que je t'emmène manger? Ouais, ça va, genre, c'était sûr? Bah oui, ça va, j'ai envie d'y aller, quoi, ça ira mieux quand on sera au resto. Qu'est-ce que tu fais? Non, rien. T'es bizarre, t'es vraiment, franchement, t'es trop bizarre. Mais non! Mais si, t'es bizarre, vas-y, on... Tu veux pas me faire un câlin, genre? Non, mais d'abord, on va au resto et on verra après le resto. Ok, d'abord, ok. Tu me payes au resto. Bah viens, viens, viens. C'est bon, t'as rien oublié? Non, c'est bon. Vas-y, on y va. Bon, l'équipe. Là, je suis sur le scout, la meuf elle est juste derrière, donc on est dans la forêt. Je vais tenter un truc. Ça va? Ouais, ça va. T'es sûr? Ouais. Attends 2 minutes. Attends. Tu peux descendre 2 secondes, s'il te plaît? Mais... Juste descendre 2 secondes, s'il te plaît. Juste, je dois avoir un truc avec mon scout. J'ai entendu un bruit bizarre, genre. Attends, genre, tu peux te mettre juste au niveau de l'arbre, s'il te plaît, pour regarder un truc, genre? Tu peux te mettre juste au... Oui. Non, genre mets-toi juste à l'arbre, 2 minutes. Tu me dis, d'accord? Tu vois bien d'ici? Tu vois bien d'ici? Tu vois ou pas? Ah, je suis un gamin, les gens, je suis un gamin!